Salut tous, c'est Bonsoir Mario et voici la surprise internationale Pokémon Jeu. Un jeu créé par un fan que je sais plus son nom. Ouais, c'est bien. Donc, on va commencer. C'est un peu Pokémon Rouge, mais en plus dur. Vraiment, plus dur. Parce que je crois que ça se termine pas au niveau 100, mais au niveau 250. Donc voilà. Mise à jour au blas. La présence des mois à la partie du jeu Pokémon Gen. Ok, c'est un petit mot en fait. Plusieurs commandes du RGSS ont été désactivées. Pensez à lire aussi. Ok, merci. Choisissez le niveau de difficulté. Alors je lis juste. Donc, je vais faire en facile parce que je suis nul. Jouer en Nuzlocke Challenge. Non, ce sera une version où je jouerai pas en Nuzlocke Challenge. Bonjour, bienvenue dans le monde fabuleux de Pokémon. Regardez, il cligne des yeux, il ouvre la bouche. Je suis le professeur Shen. La nature de mon travail m'amène à côtoyer quotidiennement des Pokémon. M'arrive même capturer à l'occasion. C'est d'ailleurs pourquoi tu viens me voir. Tu viens chercher ton Pokémon, n'est-ce pas? Avec lui, tu pourras réaliser ton rêve, celui de partir à l'aventure. Rejoins-moi vite à mon labo, à Bourg-Palette. Je t'y attendrai. Oh! Parlons de ce Pokémon. Son dressage n'est pas encore terminé. Jusqu'à ce jour, près de 500 Pokémon ont été découverts dans celui-ci. Mais venons, en fait. Es-tu un garçon ou une fille? Un garçon? Quel est ton nom? Ok, mon nom, c'est Jean-Baptiste. Bah non. On va changer de nom, hein. Allez. Allez. Allez, je suis Pépito. Et donc là, je vais mettre... Donc, c'est Pépito le vieux, voilà. Bon, je suis pas vieux dans le jeu, mais ben... Là, ça fait Pépito level, mais bon, on va dire que c'est Pépito level, voilà. J'ai demandé à ton père que toi et ton ami m'apportent le Pokémon que je lui ai prêté. N'oublie pas de venir voir avec ton ami quand j'ai à vous parler. Maintenant, rejoins ce monde peuplé de mystères. Qu'est-ce qui t'attend là-bas? À toi de découvrir. Oui. Je suis Pikachu. Un Pikachu. M'appelais-je Pikachu? Que de souvenirs. Ça, c'est quoi? Que fait ce carton ici? Je me le demande. C'est une SNES. Ok, une console. Ok, tu fais de la pub. Un café? À première vue, il est là depuis le temps. Il faut mieux pas y goûter. Ok. Au revoir, Pikachu. Allez, au revoir. Bonjour, papa. C'est le grand jour aujourd'hui. Je t'ai laissé le Pokémon du professeur Shen sur la table rez-de-chaussée. N'oubliez pas de lui rendre visite une fois au labo. Aussi, pense à aller voir ton ami, il t'attend chez lui. Ses maisons se trouvent au sud de Safrania. Son nom m'échappe, comment s'appelle-t-il déjà? Non! Encore de la pub. Ouais, de la pub. Sauf que là, je suis pas payé. Donc, il va s'appeler Enti. Connais tous... Attends, est-ce que ça va? Ouais, ça doit. Ok. Je vais essayer, hein. Ouais, peut-être. Ouais, ça tient. Oh, bien. Dommage que c'est pas profit. Donc, il est où le F? Bah voilà. Voilà, Nutitef. Voilà. De la pub, mais je gagne pas d'argent. Nutitef, ça me revient. Si tu es perdu ou que tu veux me repérer plus facilement, fais appel à la carte. Parle bien du minute en pliant sur échappe. A plus tard, fiston. Non, mais papa, ne fais pas. Oh, Pokémon. C'est un Pokémon qui prête. Ok. C'est juste prêté. Il s'agit d'un Carnatuchot. Ok. Ok, c'est comme ça. Ok.
d'artichaut. Ouais. On peut courir déjà. Ah oui, ok, on peut courir. Entendu, je m'y rends immédiatement. Cette nouvelle ne l'enchantera pas. C'est très probable, mais nous avons fait tout ce qui était dans notre pouvoir. Je repasserai te voir. D'ici là, tâche de trouver comment l'attirer. Oh, oh. Alors, Pépito le vieux, le Pokémon te plaît? Oh, c'est toi. C'est un ami à moi. Allez, ne fais pas attendre une petite œuvre, tu le connais. Ne tiens pas en place. Tu me montreras ton Pokémon quand tu l'auras choisi, d'accord? On se réveille là. Salut. Pourquoi il a fait ça? Papa, j'ai peur, ne me laisse pas 12 heures. Oh, une Pokéball. À moi. Pépito le vieux, trouve une potion. J'ai déjà essayé de prendre le R sans ticket, mais un contrôleur Mamidor. Ouh, le bad, ou le méchant. Ou le méchant. Alors, j'ai déjà joué un peu au jeu. C'est assez normal. Hein, pour voir s'il était bien. Bonjour, Nutita. C'est maintenant que tu arrives. Une minute de plus si je partais sans toi. Tu as le Pokémon du professeur Shannon. Bien, tu l'as pas oublié. Puisqu'il est dans sa Pokéball, je ne sais pas à quoi ressort. Est-ce que je pourrais le voir? Oh, encore une autre chose, ce n'est pas un Pokémon puissant. Mais bon, pour le professeur Shen, voilà. Le professeur Shen m'a dit par passer à Arzuria où nous attend son assistant. Il conduira jusqu'au professeur. Pour se rendre à Arzuria, il suffit de là. Si tu as perdu, utilise la carte qui se trouve dans le menu. Allons-y, Pépito le vieux. Nutita se joint à votre équipe. Quand un dresseur se joue de vous, les réactions peuvent changer. Il peut arriver que les Pokémon des dresseurs qui sont en jeu connaissent des techniques que vos Pokémon ne connaissent pas. Pensez à l'utiliser. Bien sûr, mais je ne gagne jamais. Ok, on court. On court. Hey, on court. Regardez mon cœur à l'artichaut et moi, on court. On court. Alors, normalement, c'est là, pas là. Oh, ce Pokémon sauvage semble agressif, tu vas devoir l'affronter, car je crois qu'il n'attend que ça. Allez, va à sa confronte. Hein, viens vers nous, il faut nous défier. Non, bah voilà. Le déroulement d'un combat, mais... Je sais. Pépito le vieux, le premier combat de Pépito le vieux. Commençons. Tan, parti, show à la tank. Ah oui, yopink, et voilà. Quand même niveau 14, hein, c'est trop facile. Nous j'ai dû mis un niveau. C'est pas ça, c'est trop. Tu vois qu'on m'attend un Pokémon. Ouh. C'est bien ce Pokémon. Nous sommes à Azuria, c'est pas le trottoir. Oui, mais tu t'es téléporté devant moi. D'après ce que c'est l'assistant du professeur Shen nous attend à la sortie ouest de la ville. Rejoignez-le sur la route 4. Ouh, on peut sortir par là. Voilà les deux garçons que j'attends. Ah, vous êtes pas trop fatigués? Mais le professeur Shen vous attend, nous attendons pas ici. Crochez-vous, je vais utiliser la technique folle. Ah, la bonne musique! Ça fait bien. Enfin, vous voilà! Tout s'est bien passé! Je m'excuse de vous avoir fait traverser toutes ces routes, mais j'aime remettre mes Pokémon en main propre. Particulièrement depuis les événements récents. Revenons à nos moutons. What, ok? C'est pas mouton haut. Les animaux, ça n'existe pas, c'est les Pokémon. Vous êtes venu choisir l'un de mes Pokémon, mais avant tout, je récupère mon Carnation. Mais non, mais pourquoi? Sur cette table se trouve toi, Pokémon. Fais-le votre choix parmi eux. Un seul, hein. Professeur, j'en ai pas besoin. Ah oui, j'avais oublié. Dans ce cas, Pépito le vieux, c'est toi le seul à choisir. Choisis un l'un des Pokémon. Ok. Je vais juste sauvegarder parce que je sais pas. J'ai peur, hein. Nous savons jamais, c'est un jeu créé. Maman. C'est bizarre. Donc, premier Pokémon. Ouais. Ouais, ça a l'air intéressant. Non. Ouais, je vais plutôt choisir celui-là. C'est la mèche.
Je vais choisir celui-là. Non, ça, je le vois en difficile. Bon, je vais choisir Arco parce que... Je sais pas. Parce que le deuxième batch. En plus, il est mieux que Bulbizarre. Alors, oui! Alors, Arco. Je sais qu'il est type plante, mais bon. Arc d'eau. Voilà. Bonjour dans l'équipe, Arc d'eau. Non. Voilà. Ah! Ah, je m'en fais! Ah, maman! Reviens ici, j'ai encore quelque chose pour toi. Ok. Bonjour. Tu as fait le bon choix, Pépito le vieux. Vous savez sans doute que mon rêve est... Voilà. Voilà, c'est fait. Ok. Je suis impatient de partir à l'aventure. Pas si vite. J'aimerais t'affronter, ce sera notre premier combat. Préparatoire à combattre car le Pokémon de mon père qui a laissé le professeur enchaîner plutôt costaud. Tintin. Et là, niveau 100. Prends ça. Ouais, ça sert à rien. Ah, quand même, ça rigole pas. Hein. Arc 2. Vas-y, gros yeux. Waouh. Merci. Gros yeux. Ah, tu peux pas baisser ma défense, mais moi je peux baisser la défense. C'est vrai que j'ai pas de potion. Eh, tu pourrais baisser mon attaque. Merci. Non, sinon je vais t'attaquer d'un. Voilà. Gros yeux. Il m'attaque aussi de 1. Hop, 1. Bah, j'ai gagné d'avance. Hein. Tu fais 3000 rugissements. Ma souris, elle bouge. Elle bouge. Dommage que le truc, il est petit. Je vais essayer peut-être doucement. Voilà. Ah là là. Ça se voit mieux. Donc, la plus petite partie. Ok, j'ai compris. Bon, son attaque n'a pas monté, c'est pas bien ça. Arc d'eau. Bien joué, c'est ta première victoire. Pépito, le vieux remporte. What? Déjà? Ok, bien joué. Tu remportes ta première victoire. Et je subis ma première défaite. Je ferai en sorte que ce soit ma dernière. J'y vais, Pépito, le vieux. On se retrouve plus tard. Bonne chance. Nutiteur quitte votre équipe. C'est la musique, vous le confirme. Bon, où je vais? Oh, mais je veux ces Pokémon. La la la. Bon, comme je suis libre, mon petit Rakayu, hein. Attends, est-ce que tu peux me les donner? Je m'occupe de Régis et Sacha en absence de Chucky. Oh, Régis et Sacha. Oh, mais c'est bien. Attends, on peut trouver Sacha. Il est où Sacha? Ah, maison de Sacha. Et toi, tu connais Sacha? Ah, tu le connais. Le professeur n'est pas seulement une personnalité locale que vous habitez à blablabla, tout le monde le connaît, bien sûr. C'est quand même professeur Chen. Donc comme c'est le premier épisode, il y aura bien sûr deux épisodes à la suite. Je ferai que deux, hein. Pas trop. Donc. PC. Eh. Ok, je... Et ça, c'est quoi? Oh! Oh, mais en fait... Sacha, c'est le maître de la ville. Il est où Régis alors? Si, Régis. Régis est parti il y a bien longtemps. Ma mère et moi attendons toujours qu'il revienne. Oh, c'est dommage, il reviendra jamais. Hein. Il a dû pleurer contre Sacha. Et Sacha est le maître maintenant? Ah, mais ça, c'est cool. Hein. Le jeu, Sacha. Je savais pas. Bon, on est dans leur route. Hein. Bonjour, toi. Hein? Je me souviens pas qu'on avait des dressages, c'est tout. Non, mais bon. Là, c'est pas grave, hein. Gamma Stevens, mais c'est bon. Ok. Ardo, à toi! Bon. Oh, c'est pas aussi puissant.
Ouah, déjà concrétisé le bon. C'est bien parce que maintenant j'ai plus peur, hein. Je suis plus dans Nuzlocke. Hein. C'est juste Pokémon GM en facile. Je suis une grosse tapette. Tu vois, je suis vieux. Bon. Alors, il manque son attaque. Bah, bien sûr, je vais pas changer. Donc, je peux. Oh, mais il est bizarre, Ratata. Mais il est beau. T'es beau, Ratata, c'est sûr. Mais c'est pas pour ça que je vais t'attraper, hein. La queue de tort peut-être, mais pas toi. Premier combat, première défaite. Ouais, moi c'est ma deuxième victoire. Ouh. Attends, je crois qu'il y a un truc qu'on peut augmenter la vitesse. Regarde, regardez. Regardez comme il bouge. Voilà. Bon, je le mets à 60 parce que. Coucou niveau 2. Je me demande quel sera mon premier Pokémon. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je ne sais pas. Voilà. Fin de la chanson, tu dis qu'il n'y aura jamais la suite. Wow. On dirait un dresseur. Tan, 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 tan. Oui, je chante maintenant. Je vais tuer tous les ratatatatatatatata. Je vais tuer tous les ratatatatata. Je vais tuer tous les ratatatatata. Pour mon unique plaisir. Oh tiens, il a changé. Non mais quelle voix les Pokémon ils ont, hein, Arco, mais quelle voix, c'est humiliant. Merci. Papa. Ha, tu es tombé dans mon piège. Merde. Niveau 8. Oh, un pied faible. Mais bon, je vais. Je prends l'œuf juste. Un œuf, je le prendre. Bah, bien sûr. Ouh, oh, mais j'adore l'animation du sort. Allez, allez, sort Pokémon. Et donc. Oh, bonjour, je suis le fils du président de la CIPSAR. En étant donné que le réseau du centre Pokémon appartient à notre société, nous avons décidé de faire payer nos services. Pour connaître le prix à payer, renseignez-vous auprès de l'hôtesse près du comptoir. Par contre, si vous ne pouvez pas payer, ces services vous seront toujours offerts gratuitement. Comprenez que si vous avez les moyens en même temps de redonner la pêche à tous vos Pokémon, vous permettez à ce système de connecter Pokémon. Et puis entre nous, vous n'avez pas vraiment le choix. Oh, et pensez à faire des échanges ou de fier l'équipe de vos amis au premier message. Vous envoyez vos chumelles avec l'un de Pokémon des blablabla. Ça peut toujours être utile. Oh, une dernière chose. Vous pouvez plus sauvegarder depuis le menu, mais vous nous avez mis dans le sens. Oui. Mais moi je peux, parce que je suis en facile. Et ouais, t'as oublié ce détail, hein? Hein, gros idiot? Hein, gros idiot? Hein? Bonjour? C'est quoi ça? Ok, c'est juste là pour faire beau. Bonjour. Oui. Donc! Fin du premier épisode de Pokémon GM. Qui s'annonce bien, hein? C'est rien. J'ai besoin de changer de Pokémon Rouge-Feu en Nuzlocke Challenge. Surtout que je vais faire quand même une longue série de Nuzlocke, hein. Je vais faire sur toutes les versions, plus des autres versions. Donc, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez aimé. Tout le blablabla, abonnez-vous, blablabla. Au revoir, les amis.